Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 7 d'Assassin's Creed Unity, voilà, je cherchais le nom. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi je cherchais le nom justement. Donc attendez, il y a une petite cocarde là, on va se la faire au calme. Sauf s'il ne désire pas monter, bon bah c'est tout. On va pas se la faire au calme du coup. Là-bas il y a un petit truc que je vais aller faire. Et puis après on continuera. Voilà. Succès déverrouillé à l'aide. J'aurais fait de mal. Ok, j'aurais fait de mal. J'aurais fait de mal, ma gueule. Tu fais quoi là? Vous faites quoi là, les gars? Vous voulez plus pour qui? Non, mais, je suis un assassin, moi, les gars. Pas me faire chier. Hop, clé de bras, ma gueule. Oh putain, bon bah je suis pas un assassin, en fait je suis une grosse merde qui vient de décéder. Une grosse chaise. Bon bah du coup on va arrêter de faire le malin, puis on va aller directement à la prochaine mission qui va être certainement de tuer l'affreunière. Voilà. L'affreunier peut-être, je sais plus du tout. Voilà. Also, where is been? Oh, voilà. Donc on va faire le gros flemmard. Comme je pense que ça va être une mission assez longue, je préfère me téléporter directement. Nous voilà ici, donc on va sauter. Alors au début j'avais prévu de pas du tout changer de vêtements parce que je trouvais que ces vêtements ils avaient un peu trop la classe. Le problème est que quand tu changes les vêtements tu gagnes de la santé, la discrétion, etc. Alors bah du coup bah, je me suis laissé tenter par changer de vêtements justement. Et j'ai pris des vêtements napoléoniens. J'ai juste pris la capuche et puis le haut parce que j'avais pas assez de sous pour le reste. Donc voilà. C'est pour faire un clin d'œil à un pote. À nous deux, la frenière. Où est-ce que tu te caches? So, explorer la halle au blé. On a l'air d'avoir un truc par ici. Et une cocarde, d'accord. On a deux. Que se passe-t-il? Est-ce que je vais l'aider ou quoi? Bon allez, je vais l'aider. Oh merde, je vais l'aider quand il meurt. Putain, je vais me faire niquer encore. C'est pas facile hein. En plus, ils ont dingue de vie, quoi, les bazars. Voilà, c'est un... J'ai l'impression de jouer à la Guitar Hero, quoi. Et toi, mon pote, t'as été un bâtard. Oh, tu crèves aussi, fils de pute. Bon. Ok, on a des gardes à l'entrée, mais comme je suis un assassin. Ok, bon, ouais, je vais passer par entrée. Et votre avis, ils vont me voir ou pas? Mais c'est bon, j'ai pas besoin en fait. Also, on va passer par les. On va éviter le conflit parce que le conflit est... mène au conflit. Alors,
Bon bah ok, il est parti d'ici, j'ai plus le choix, faut que je me conflicte. Je me conflicte, tu te conflictes, nous nous conflictons. Toutes ces armes ne me disent rien qui vaille. Quoi sert un toit s'il ne protège même pas de la Lafrenière doit préparer une action d'envergure. Où est-ce qu'on est? Vous voulez péter la l'arme? Je pense que si je passe là, je vais me faire choper. Je pense que je vais pas avoir le choix. On va peut-être s'en bat les couilles. Hop. Lui aussi s'en bat les couilles. C'est violent. C'est la base, ma gueule. Ok. J'ai failli me faire choper. L'autre qui se bat là, je pense que je vais le tuer, comme ça ça sera fait. Bon, j'aimerais bien qu'il se tourne quand même. Voilà. Bon, il y a lui qui peut me casser les couilles. Même pas allumer ta bon, en fait, il s'en bat les couilles. Hop, ça c'est réglé. Mais c'est violent quand ils s'en battaient les couilles, quoi. Des armes venues de Bavière. On reste calme. Ok. Ok. Quoi qu'il prépare, il a prévu grand. Et maintenant, je sais où te trouver, grand maître. Il me semble bien dangereux de laisser traîner ses armes. Les réserves de poudre, elles vont sauter. Mais bien sûr, pourquoi rien n'est jamais simple. T'es un peu con mon pote. Non, j'ai gagné. Hop. Tac, je parie que c'est dans l'autre sens. Non, je parie que c'est dans l'autre sens en fait. C'était fait exprès ou comment ça se passe? J'aurais peut-être dû y réfléchir davantage. Eh vas-y, il faut monter. Allez. Tu peux le faire. Par là. Mieux vaut aller vers le haut. Hop. Ah, dure la vie d'assassin. Bon bah non, faut que j'aille par où. Par là. Ensuite, par où? Par où je dois aller? Bon, ok, hop, c'est par là. Bon, j'ai le temps de crever, quoi. Bon, on va aller par ici, là, peut-être par ici, par là-bas. Ouais. Ah!
Cache-toi au cœur de la foule. Bon. Bon ben voilà. Par-dessus, dessous des objets. On s'en fout. Hop. On est à 11 minutes. Ce qui est relativement emmerdant. Parce que je sais pas du tout combien de temps la prochaine mission va durer. Du coup, ben, on va y aller. Et puis, voilà. Je vais regarder si ça se situe loin déjà. Bon, ça va, c'est correct. Allez. Let's go. Allô. Et c'est la Akita. So. Oh, un cochon au lait. Première vidéo, ma gueule. On est au calme, ma gueule. Comment vas-tu? Seigneur, mais quoi ton agitation? Hop. Je suis un rebelle, moi, regarde. Ratatouille, ma gueule. Les renforts arriveront avant la venue du maître. Nous posterons des tireurs sur les toits. Toutes les instructions sont là. Au travail. On devrait les accompagner? Les gardes du corps du maître? Ils sauront se débrouiller. Il doit avoir raison. Je ferais bien de trouver un endroit où attendre avant que les autres n'arrivent. J'aime vraiment bien ces vues reculées là comme ça, c'est trop stylé je trouve. Alors on doit tuer le vieux barbu là qui ressemble à mon ancien prof d'automatique. 4 entrées, 5 cachettes, 4 cloches d'alerte, 42 gardes. Bon, c'est relativement correct. J'ai envie de te dire. Je vais essayer de péter les cloches. Ça me semble être la meilleure solution pour l'instant. Il y a un truc de fou. Ah non, je veux pas attendre, moi je veux péter les... Eh bien. Tac. Je peux plus les prendre les cadavres par contre. Ça c'est fait. J'ai débloqué un succès pour que... pour qui ça débloque. Tac. Bon, ils sont deux. Opportunité d'aide. Peut-être que l'autre va monter. En fait, ça en bat totalement les couilles. Tac, d'or. Oh, mais je vais péter celle-ci. La merde, en plus, elle est même pas. Ouais. Vas-y, je la pète à l'autre bout. Hop, je suis un peu comme ça, moi. J'ai un truc à récupérer. D'accord. C'est les plans. Merde. J'ai repéré.
Oh, est-ce que tu descends? Comment ça se passe? T'es en train de descendre là? Ouais. Ok, d'accord. T'es un peu long comme le game. Ceci indique précisément où se trouvera la Frenière à chaque étape. Il n'aurait pas pu me rendre la tâche plus facile. Cette fois, je te tiens. Hop, j'ai pété toutes les cloches. Comme ça, je suis peinard. J'aime quand ma plan de mesure de sécurité, opportunité. La vérité est en danger, mes frères. On l'assaille de toutes parts. Les Jacobins l'ont attachée au chevalet pour la soumettre à leur vindicte démagogique. Chrétien la freinait. Le faux prophète s'adresse au peuple, promettant liberté, égalité, fraternité. Au sein même de notre ordre, de faux frères veulent que nous... Qu'est-ce que je veux faire? Meurtre discret. C'est quoi cette personnalité? D'accord. Ok, donc ma cible c'est lui. Jeté dans les bras de nos ennemis. Et depuis toujours, les assassins rôdent dans l'ombre à l'affût du moindre signe de faiblesse. Traître! Nos ennemis pensent qu'ils nous prient. Qu'est-ce que j'ai en train de... pour dissuader les amis de la liberté. Union, force, Sec. Vertu. Tenez-vous prêts, mes frères. Ce soir, la vérité est de notre côté. Hourra! Eh, mon dieu. Assassiné. Comment je puis faire? La vache, il a quadrillé tout le secteur. Oh, c'est encore plus quadrillé que le mec qui distribue les tracts à la fac, quoi. Oui, monsieur. Les hommes connaissent leurs ordres. Cette vermine ne nous échappera pas. Parfait. L'ennemi ne viendra plus déjouer nos plans, comme vous dites. Claude, en fait, il est en train de camper là-bas, quoi. Ouais, voilà. En fait, j'ai pas du tout choisi le bon endroit. Oh putain le coup. Oh je suis... Oh, oh je suis dans une merde noire. Marron mec. Mais vert cacado quoi. Voilà, je suis mort direct quoi. Oh la vache. En même temps, ma partie d'avant t'avais 54 gardes mais t'en avais 3 par salle quoi. Là ils sont 50, ils sont 40 et quelques mais ils sont 40 dans la structure. Les mecs sont en mode gros rapace. You shall not pass, motherfucker bitch. Plus les frais des shipping. Bref. Alors. Comment je vais l'avoir ce PD? Les chiens! Au sein même de notre ordre, de faux frères veulent que nous l'abandonnions. Il était temps qu'on règle leur compte à ces chiens. Dans les bras de nos on aurait dû faire ça il y a des années quand ils étaient vulnérables. Mais maintenant ils sont accrochés toujours. Les assassins rôdent. Va-t-il venir ou va-t-il pas venir? That's the question. Nos ennemis pensent qu'ils nous privent de notre pouvoir en nous privant d'armes. Il en faudra bien plus pour dissuader les amis de la liberté. Un assassin aux armes, mes frères! Tire! Tire! J'ai pas fait quelque chose! Oh lolo! Oh! Oh le bordel, monstre! Derrière lui! Cours, ta mère! Abattez-moi cette merde!
Oh, comme je suis mort. Oh putain, il s'est arrêté. Oh, je suis ouf. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté comme une grosse merde, en plein milieu du bal. Mode, tirez-moi dans le cul, s'il vous plaît. J'aime les plans. J'aime les plans. Voilà, on est déjà à 45 minutes de vidéo. Va falloir que je fasse des transitions, des moments coupés et tout. Vous allez pas entendre certains moments où j'ai ragé comme un porc. Et voilà, je dois le commencer. J'aime quand on se fout de ma gueule. De faux frères veulent que nous l'abandonnions pour nous jeter dans les bras de nos ennemis. Et depuis toujours, les assassins rôdent dans l'ombre. Il est temps qu'on règle leur compte à ces chiens. Oh, oui. Un instant. Il en faudra bien plus pour dissuader les amis. Ce gros fils de pute. Sur Heinrich. Toujours en train de tripoter des gamins. Le faux prophète s'adresse au peuple en liberté, égalité, fraternité. Au sein même de notre ordre, de faux frères veulent que nous l'abandonnions pour nous jeter dans les bras de nos ennemis. Et depuis toujours, les assassins rôdent dans l'ombre à l'affût du moindre signe de faiblesse. Maître ! Nos ennemis pensent qu'ils nous privent de notre pouvoir en nous privant d'armes. Il en faudra bien plus pour dissuader les amis de la liberté. Union, force, vertu. Tenez-vous prêts, mes frères. Ce soir, la vérité est de notre côté. Hurrah ! Croyez-vous qu'un jour je vais finir cette mission, Dieu Seigneur? Je suis silencieux là, les amis, parce que c'est au moins la 10e fois que je recommence, donc pardonnez-moi. Depuis le temps que je patiente, j'aimerais bien finir cette mission un jour ou l'autre avant de mourir. Hop, ça c'est fait. J'ai gagné une lame dans la foule.
Il est temps que je patiente dans cette chambre noire. Une temps qu'on s'amuse à cochon, te bout de couleur. Toi, tu vas mourir dans le fouing avec moi. Et toi aussi. Et toi aussi. Putain, wesh. Nous vous offrons le meilleur de la technique autrichienne. Le Mousquet modèle 1791. Il est plus puissant que votre vieux modèle 1777. Il porte plus loin et il est plus précis. Je vois que votre maître ne s'est épargné aucune dépense pour que ses troupes d'élite... Eh bien, t'as envie d'aller aux toilettes. Donc je t'attends, ma gueule. Lève-toi, mon frère. Et sois le bien. Vous ne lui faites pas confiance, n'est-ce pas? Mirabeau est un homme bon, un homme honnête. Mirabeau est un ivrogne, un but de sa personne. Tu ferais mieux de ne pas oublier qui est le grand maître, Lafrenière. Porte immédiatement ceci au grand maître de la secte. Remets-le lui en main propre. Oui, maître. Maître, nous avons le problème. Christophe a transmis des informations à nos ennemis. Nous devons partir du principe qu'ils connaissent ce lieu. Il va falloir devancer nos plans. Préviens les hommes. Nous attaquerons l'hôtel de Beauvais ce soir. Vite, barre-toi! J'ai pas envie de remourir là. Alléluia, depuis le temps que je suis sur cette mission. Alléluia. Je me dis, oh, parce qu'elle était nulle. Non, j'ai... Elle était extrêmement compliquée, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment complexe. Soit elle était complexe, soit j'étais pas assez patient pour la faire. C'est au choix. Initié, ici Bishop. Tu as l'air de plutôt bien tenir le coup. J'aimerais t'aider un peu. On a fait une découverte majeure. Nos analyses approfondies des données ont révélé que le sage qu'on recherche était un grand maître des Templiers. L'homme que traque Arnaud. Malheureusement, c'est tout ce qu'on sait. Ça y est, tout a été mis à jour. Fais-en bon usage. On te contactera. Vous avez débloqué je ne sais pas quoi. De nouvelles aptitudes. Les assassins ont été débloqués. Maître, machin. Compagnon serrurier. Pot de cuir bouilli. Le rachat nécessite cette épaule. D'accord. Ouais, ça c'est wack. Ok, ça c'est wack, ok. Un coup fatal à un ennemi allongé, ok. Bon, mais ça, y a rien qui m'intéresse là-dedans. On va aller dans la discrétion. Ok, ça c'est... Réduction des dégâts et remise sur pied plus rapide après une chute, ok. Et ça, une double attaque fatale et instantanée contre deux cibles proches l'une de l'autre. Ça c'est cool ça. Voilà. Là, il n'y a plus rien que je puisse acheter. Là, il y a ça. Ok, hop, on va prendre ça. Donc voilà. Débloquer une nouvelle trouvaille dans la salle des trouvailles. Ouais.
Donc voilà les amis, j'espère... Il y a tellement d'informations qui viennent au fur et à mesure que... Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. On va se laisser ici, ça fait déjà une grosse vidéo. Je vais essayer de la réduire, je pense que vous allez la trouver sous un format d'environ maximum 30 minutes je pense. Ce qui va être assez compliqué parce que je suis mort énormément de fois. Mais on va bien voir. Donc je vous dis à la prochaine et puis je vous dis portez-vous bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 8. We'll be right back.